Bonjour à tous, gentlemen et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Donc je vais faire les horoscopes des Verseaux pour le mois de novembre 2021. On va voir qu'est-ce qu'on vous donne pour vous. Et je vais les partager sur ma chaîne YouTube. Déjà, je vous remercie d'être présent parce que la chaîne ne fait que augmenter. Et je vais la partager aussi, cette vidéo, dans les groupes sur Facebook où je partage toutes mes vidéos. J'ai plusieurs groupes dont je fais ce partage. Hop, j'ai mis une petite carte au milieu. Bon, bah écoutez, on va les battre, il va bien ressortir. J'ai rêvé ou... Non, elle est là. Quelle est cette carte? Un souhait, un heureux présage. Alors, voyons voir pour vous les Verseaux, qu'est-ce qui va se passer durant ce mois. Je suis tout tombé. On va prendre un peu l'oracle du miroir pour changer un petit peu. Et on verra avec quelle carte je complète. Allez, on va prendre un petit peu des petits paquets pour vous. Il y a les rêves. Alors, les rêves font partie de l'intuition, de l'imagination. Vous rêvez peut-être de quelque chose. Est-ce que vous avez envie de dialoguer avec quelqu'un? Même voir une réunion familiale pour certains. Alors, il y a de la jalousie autour de vous. Faites attention à vous, hein, si on vous jalouse, et dans la maison. Et un cadeau à recevoir. Bon, boum, la jalousie, plus ou moins, on en a tous autour de nous. Durant ce mois de novembre, vous les Verseaux, où vous rêvez de vous réunir en famille, et je pense que ce rêve, avec le représage qu'on a eu, qui s'est baladé, c'est un souhait que vous espérez, une réunion de famille. Attention, parce qu'il y a un petit peu de la jalousie, hein, dans la maison, et vous aurez un beau cadeau qui vous arrive à vous. On va voir si le cadeau... Alors, il y a quelque chose que vous allez recevoir, mais qui prend un petit peu du temps. Il prend du retard, donc, ce cadeau. Est-ce que vous attendez quelque chose, vous les Verseaux? À vous de voir, bien sûr, dans ce que je vous dis, ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, c'est pas grave, laissez-le de côté. Ça ne vous est pas destiné, hein. C'est du général, c'est pas du particulier pour vous-même, donc voilà. Allez, on continue avec l'oracle G. Bon, un nouveau projet, une grossesse pour certains, un nouveau départ, un déménagement, peut-être que vous rêvez de ce déménagement, vous les Verseaux. En tous les cas, quelque chose qui peut débuter, nos relations amoureuses aussi, ayant un cadeau, une belle opportunité qui arrive pour vous avec la carte du cadeau. Tiens, il y en a même une carte qui s'est collée derrière. Un cadeau. Alors, pour une femme ou venant d'une femme. Hein, à vous de voir. C'est peut-être le cadeau, cette grossesse que cette femme, elle va avoir, c'est un cadeau. Hein. Un cadeau de la vie, comme on dit. Et si c'est une grossesse, le cadeau, c'est une fille pour cette brune, cette dame brune, jeune fille brune. Hein, une trentaine d'années, qui aura 40 ans, qui aura quand même une petite fille. Et du renouveau qui va suivre, hein, il y a une transformation qui s'opère. Dans une maison, vous les Verseaux. Alors, on a le consultant
Le renouveau avec le consultant, des papiers notariales, un contrat de travail. Alors, une belle opportunité de contrat de travail pour certains. C'est une possibilité puisqu'on a le cadeau devant. En tous les cas, des papiers officiels à signer. Ça peut être un achat, un crédit d'une maison. Alors, on a l'homme et la femme. Et on a une réussite, ce renouveau qui emmène à une réussite. Vous avez un projet que vous visualisez, que vous espérez et qui va se concrétiser, qui va se réaliser. Il n'y a pas de souci pour vous, les Verseaux. Bon, on sera un petit peu stressé, un petit peu malade durant ce mois de novembre. Rien de grave, mais un petit peu. Bon, on retrouvera la paix, quoi qu'il en soit. Et on a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, des sentiments un petit peu partagés, peut-être sur une prise de décision. Bon, dites-vous que vous avez la force et le courage de vous battre, de lutter. Pour certains, une réussite par rapport à un poste à haute responsabilité, chef de service, cadre, peu importe, enfin, quelque chose de bien haut placé quand même, hein, parce qu'on a l'étoffe pour, on peut avoir ce poste, il n'y a pas de souci pour vous. Alors les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, peut-être le déménagement à la période de l'été. Alors, le rêve, le renouveau ou le déménagement par rapport à l'homme. Bon, il y a quelque chose quand même qui vous stresse. Là, j'ai la... Ou c'est dans les 3 mois, ou c'est l'été prochain que votre projet se concrétisera. Bon. À vous de voir maintenant l'évolution où vous vous situez, si dans ce projet... Il est déjà en place ou pas. On a des communications, des échanges, hein, peut-être même par ses écrits. Si vous n'avez pas trop de communication, admettons, entre vous en couple, on vous invite à communiquer un peu plus ensemble. Hein. Bon, on a quand même un voyage, peut-être un déplacement prévu, un dépaysement durant ce mois de novembre. Voire même peut-être au bord de l'eau. Et le foyer. Alors, une réussite, vous avez la force et le courage pour le foyer, pour concrétiser ce foyer, des moments chaleureux qui sont là à venir. On a des documents administratifs. Hein. On a des documents à faire, on a des papiers, des écrits. Bon, ça, c'est la sexualité, c'est le désir. Hein. On va parler de désir. C'est quelque chose que vous désirez, là. Parce que c'est pas, ça ne touche pas à la sexualité même. C'est le désir que vous avez de faire, de concrétiser ces choses. Et je pense que ça touche à un foyer. Alors, par contre, il y a une prise de décision, un choix qu'il y aura à faire. Hein. Il faudra peser le pour et le contre dans ce que vous voulez. Dans ce que vous désirez, entre 3 et 6 mois. Entre 3 et 6 mois, ce projet se concrétise pour moi. 3, 6 mois. C'est pas mal. Je sais pas qu'est-ce que c'est votre projet. Hein. Est-ce que c'est ce changement de poste aussi? Possibilité pour du boulot? En tous les cas, vous avez des belles cartes qui sont là. On va compléter encore. On a vraiment un projet qui se crée. Hein. C'est la création de quelque chose. Ça se met en place, ça se concrétise. Et c'est là à nouveau. Hein. La chance, l'opportunité que vous aurez. Bâtiment. Effectivement, ça touche l'immobilier ou le déménagement. En tous les cas, ça se met en place. Hein.
et c'est la certitude des événements, on va changer de jeu pour voir ce qu'on nous donne. Tiens, on va prendre celui-là. Et on va voir. Ou bien sûr, ça nous redit la même chose, parce que c'est des choses que vous devez savoir, vous les Verseaux. Ou alors, ben, ça viendra compléter. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de novembre, s'il vous plaît, merci. Alors, on a un choix. On est arrivé à un moment de nos vies, dans un carrefour. Là, aujourd'hui, on nous demande de faire un choix, de porter notre décision pour ce déplacement, ce mouvement. La carte 34, c'est l'argent, si c'est lié à l'argent, faire un choix par rapport à de l'argent. Alors, ça peut être déplacement hein, aussi que vous avez à faire. Ça, c'est à vous de voir si vous avez de l'argent à placer ou des mouvements d'argent à faire. Tout simplement, ça peut être une personne qui voyage, qui aura l'opportunité de voyager, bien sûr. En tous les cas, c'est la prospérité qui est annoncée là aussi. Hein. On a un voyage, un déplacement. Il y aura des déplacements durant ce mois de novembre. Vous allez bouger. Hein. C'est des déplacements, là, le bateau. Un changement qui se prépare, qui est là. Il y a des mouvements. Hein. On met tout ça en place. Maintenant, il se peut que pour certains, ben, on va prendre le bateau, l'avion, peu importe, vous allez voyager. Hein. Alors, il y a des choses qu'on garde en nous, qu'on ne veut pas divulguer. Il y a des secrets. Hein. Peut-être que votre projet, vos changements de travail, vous le gardez encore un petit peu en secret parce que vous ne voulez pas le dévoiler. Hein. Maintenant, il se peut aussi que la création concerne ce dossier que vous êtes en train de faire pour l'immobilier, une possibilité, pour une formation, pour aller à l'école, c'est une autre possibilité aussi. Il y en a qui peuvent peut-être se remettre la tête dans les bouquins. Là, on aura la carte de la grossesse pour certains, on aura une grossesse. On peut avoir le choix pour une maman, parce que c'est la mère, ça représente une maman. Qu'est-ce que c'est? C'est la carte de l'intuition, de l'imagination. Alors peut-être qu'il va falloir un petit peu suivre votre intuition. Vous pouvez avoir des moments aussi émotifs, d'émotions, hein, durant ce mois de novembre. Et puis on a le bâtiment. On a encore la carte du bâtiment, vous voyez, c'est encore la carte du bâtiment ou d'un lieu public. Bon, transaction, bâtiment, ça peut être une banque, là, vous voyez, vous allez peut-être vous rendre à votre banque aussi. C'est une possibilité. Maintenant, ça peut être une administration telle que les impôts, une école, pour certains des crèches, un hôpital. Peut-être que pour certains, on va faire des soins. Alors, bâtiment et l'ambiguïté, c'est une situation un peu confuse, embrouillée. Alors peut-être par rapport à ce bâtiment, il y a de la distance, ça vous pose problème, c'est compliqué. En tous les cas, c'est une confusion induite, une situation qui n'est pas claire et ça peut concerner un bâtiment, d'où ce changement immobilier. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vous correspondent pas. Et on a quand même quelqu'un de rusé. Alors méfiez-vous autour de vous. Hein. Il peut y avoir une personne un petit peu maligne. Ou alors c'est vous-même qui avez de l'instinct. Allez, on a quand même... On peut avoir le médecin, c'est-à-dire on se déplace pour aller à l'hôpital. On a aussi une possibilité d'avoir des papiers juridiques, hein, tout ce qui touche le droit, l'administration. Vous aurez compris, c'est la couronne, c'est officiel aussi. Tout ce qui touche à la droiture, à l'homme de
Un juge, un magistrat, un notaire, un médecin. Toutes ces... Voilà. C'est une possibilité qu'on ait à faire. Alors, on a les fouets. C'est un petit peu compliqué. Ça peut être compliqué aussi par rapport à votre relation pour certains. D'où il y a des châtiments. Le fouet est porteur de coups. Donc, j'espère pas hein, pour certains qu'on reçoit des coups. Mais voilà, il peut y avoir des actes un petit peu plus violents pour certains. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous. Il y a des tourments, des disputes qui se préparent pour en novembre. Alors prenez soin de vous. Ça peut être un petit peu une maladie pour certains, un problème gynécologique, une infection urinaire. Oui, ce qui vous parle bien sûr. On peut être amené à faire de la rééducation aussi. Un matériel de rééducation pour tenir droit. Alors peut-être des problèmes de dos. Hein. Je pense, là, je verrai... comment on appelle ça? Une coque, vous savez, pour les bassins, pour redresser le dos. C'est une possibilité. Donc là, on a quelqu'un de fidèle autour de nous. Pour certains, ça va être un ami, un bon ami. Pour d'autres, ça va être un amant qui peut être proche de nous. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Un partenaire, du moins. Et ça peut être un frère ou un enfant, quelqu'un de très proche de vous. Attention, il y a des embrouilles devant. Peut-être que certains auront un petit conflit avec un frère, quelqu'un de très très proche, un très bon ami, un enfant même. Hein. Il peut y avoir un peu des brouilles, hein. Des disputes, des embrouilles avec un enfant. Bon, une situation qui va vous ronger, qui va vous stresser, bien sûr, avec le rat. C'est comme celle-là, ça revient un petit peu, donc protégez-vous. Essayez de ne pas rentrer trop dans les conflits. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, on a les sentiments, la passion qui est là. On a un cadeau. Bon, on va avoir quelque chose quand même qui vient vers nous. Le bouquet, c'est la surprise, le bonheur parfait. Une proposition en tous les cas bénéfique. Alors ça peut être du côté sentimental, d'accord, ça peut être aussi si vous avez un procès, parce que c'est la justice, c'est peut-être bon pour vous, hein. Il y a quand même une belle surprise, donc peut-être que ce procès, pardon, il sera favorable. Là, on peut vous offrir un ticket pour aller voir du cinéma, un concert, puisqu'on a la surprise et les concerts, les lieux publics. Donc c'est une possibilité aussi qu'on vous offre quelque chose pour aller vous changer, pour vous distraire un petit peu. Et on a encore la cigogne qui est porteur de renouveau, de déménagement, d'un nouveau tarif pour vous. En tous les cas, c'est un cycle de renouveau que vous avez, vous, les Verseaux. Quelque chose de bon se prépare pour vous. Ça peut être des énergies aussi, si vous étiez fatigué, qui se renouvellent. Voilà. Et l'énergie, la santé, la stabilité, vous allez retrouver un bel équilibre du côté santé. Il y a vraiment, pour certains, une signature de contrat, aussi bien professionnel, aussi bien pour ce pré-immobilier ou bien immobilier. À vous de voir où vous situer. Il y a une concrétisation qui se fait par signature, et encore la nouveauté, hein, quelque chose de nouveau qui se prépare. On aura bien compris, vous avez quelque chose de nouveau. Bien sûr, ça peut être lié aux enfants aussi, avec la carte 13. En tous les cas, la grossesse aussi, hein, qui est là. Et bien voilà pour vous, c'est pas mal, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouveaux départs, quelle que soit votre situation ou votre domaine. Vous voyez ce qui se passe en renouveau, parce que vous voyez, départ, renouveau, il y a beaucoup de nouveautés, renouveau. On vous dit qu'il y a du renouveau pour vous qui est là. Non, alors, quelle que soit votre situation, elle va s'arranger, tout va s'arranger, tout va rentrer dans l'ordre. Et il y aura un autre cycle qui se prépare pour vous. C'est très bien. Allez.
malgré qu'on a donné quand même du lot, un petit peu. Hop là, qu'est-ce que c'est qui est tombé pour vous? Les échanges, vous voyez? Que ce soit d'ordre de vos relations, parce que ça c'est des cartes pour le sentimental, vous avez des communications, des échanges, et vous l'avez déjà eu dans le tirage. Donc, on peut s'en servir aussi en interprétation de tirage normal, il y a encore des communications, des échanges écrits qui vont se faire. Pour une femme ou avec une femme. Mais quand même, on a les idées un peu tristes ou nettes pour certains. Hein, on y voit un petit peu noir, point de vue relation amoureuse. Et alors, il y a peut-être cette femme qui est vraiment triste, repliée sur elle-même. Ses idées, elles sont vraiment noires, moroses. Allez, si vous êtes dans ce cas-là, que vous n'avez personne dans votre vie actuellement, changez-vous un peu la tête, faites des correspondances avec vos amis, avec votre famille, vous avez besoin de dialoguer, vous n'avez pas besoin de rester replié comme ça sur vous-même. C'est le repli sur soi, c'est la déprime aussi pour certains. Attention. L'araignée vous indique aussi quand même qu'il faut garder espoir, d'accord? Il vous faut garder espoir. L'araignée aussi nous indique que vous tissez peut-être quelque chose. Alors, peut-être que vous tissez des liens avec quelqu'un, mais là, vous êtes un petit peu replié sur vous-même. Si ce n'est pas le cas, les choses vont se faire. Vous allez tisser des liens avec quelqu'un par rapport à des échanges. D'accord ? La toile d'araignée, on la fait petit à petit. Ça se construit petit à petit. D'accord ? Attention de ne pas... Voilà. L'araignée pourrait tomber brusquement aussi. Faites attention de ne pas vous mettre dans une situation qu'il ne faudrait pas au niveau de ces échanges. Peut-être que ces échanges vous rendent malade aussi. Et vous n'avez peut-être pas la bonne personne en correspondance. Si c'est une relation par Internet, ce que je vois là, c'est une possibilité aussi. Voyez où vous situez, bien sûr. Hein. Voyez si vous avez ces tourments par rapport à des correspondances. Faites attention que vous pouvez tomber comme ça d'un jour à l'autre et être surprise de ce que vous allez apprendre. Maintenant, il y a peut-être pour certains une relation qui se construit tout doucement avec l'araignée. D'accord ? Et on va... faites attention. Faites attention parce que là, on a la carte de la trahison. Hein. Faites attention quand même. Il y a des choses qui ne sont pas claires là-dedans. Hein. Vous allez peut-être être déçu par rapport, c'est ce que je vous dis, par rapport à ce que vous allez apprendre. Et vous risquez de tomber de haut. Donc si vous êtes dans ce cas-là, méfiez-vous si vous avez des échanges plutôt d'une relation échange sur Internet ou téléphone ou par écrit, peu importe, par SMS. Faites attention parce que ce qu'on vous dit, ce n'est pas totalement vrai. C'est voilà, à vous de voir. Il y a quelque chose de caché là-dessous. Hein, avec cette trahison. Regardez cette carte. Vous pouvez avoir le cœur blessé. Vous allez laisser des... D'accord ? Des plumes, comme on dit. Vous risquez d'être surprise par ce que vous appelez. Vous risquez d'être surprise par rapport à quelque chose que vous allez apprendre qui va vous décevoir dans votre relation. Ou alors, c'est une relation qui vous procure un mal-être. Vous êtes dans cette relation, mais d'ailleurs, on le voit bien, vous êtes replié sur vous-même, là. Et là, vous y voyez noir, pour certains. Je ne dis pas que vous allez être tous là-dedans. Voilà. C'est avec les cerises, c'est une tentation. Hein. Pour d'autres, ça serait, on est arrivé à maturité dans cette relation avec la cerise. À vous de voir, bien sûr, où vous allez vous situer. Pour
ça peut être une relation qui a débuté, admettons, depuis le mois de mai, hein, parce que la cerise, c'est le mois de mai. Ça nous indique le mois de mai. Pour d'autres, si vous n'avez pas de relation, si celle-là n'est pas bonne, vous irez sur quelque chose de beaucoup plus doux, de meilleur, une aventure sentimentale beaucoup plus prometteuse vous attend. Hein ? Si vous décidez bien sûr de stopper, il y aura quelque chose de mieux pour vous. Hein ? Il y a un renouveau dans les sentiments aussi qui arrive. Voilà pour vous ce que j'ai au terme de vos relations. C'est vrai que ça parle beaucoup de quelqu'un qui est seul. Explorer, voir un petit peu. J'ai rajouté la fenêtre dans les cartes. Qu'est-ce qu'elle vous indique, cette fenêtre ? De regarder vers l'extérieur si vous ne pouvez pas trouver quelque chose de mieux. Parce que là, vous êtes figé. Regardez, cette fenêtre, elle est condamnée, elle est barrée. Cette relation, elle est figée. Vous ne pouvez pas avancer comme vous voulez dans cette relation. Elle est figée. On ne peut pas ouvrir cette fenêtre, on ne peut pas accéder. Il serait bon, quand même, de franchir ce cap, d'aller voir plus loin. Il y a quelque chose d'autre derrière pour vous. Et c'est ce que je vous dis. Il y a quelque chose de beaucoup plus prometteur avec ces deux cartes que j'ai tirées à la fin. Un avenir beaucoup plus prometteur vous attend. Si vous voyez que dans cette relation, ça ne fonctionne pas. Voilà. En franchissant cette porte, vous aurez autre chose. Je vous aime, mes chers Verseaux, portez-vous bien, à bientôt. Bon mois de novembre.